Hello tout le monde, c'est Elnora22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de A Plague Tale Requiem, un jeu édité par Focus Entertainment et développé par Asobo Studio. Installez-vous confortablement sur votre lit, votre canapé, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe, let's go! Quel temps idéal pour partir en exploration. Oui! Des explorateurs d'îles! Trouvons d'abord la sortie. Alors, eh bien, comme d'habitude, dans ce 9e chapitre, nous allons nous amuser à trouver les collectibles, une plume, des souvenirs et un coffre secret, pourquoi pas. Alors déjà, rien que dans le palais, c'est bien vaste. On va plutôt passer par là. Wow, regarde-moi ça. C'est si grand. C'est sûr. Ah, donc on aurait dû sortir par là-bas. Bon, c'est pas grave. Ça, on est sûr de bien faire le tour. Bon, alors, let's go. Ok, pas d'interaction avec ça. C'est parti! Je compte sur toi, d'accord? Si tu vois quoi que ce soit. Oui! Je reste à l'affreux! À l'affût! On dit rester à l'affût. Oh! C'est moins bien. C'est... oui, c'est moins bien. Alors, on peut pas interagir avec cette personne. Et il me semble pas voir de nid. Par contre, pour sûr, c'est immense. Cet endroit est réservé au personnel de maison. Désolé. Personnel de maison. D'accord. C'est comme nos serviteurs à la maison. Ok. Yeah. Cet endroit, c'est vraiment quelque chose. C'est tellement grand. On s'y perdrait. Je pourrais m'y faire. Tu serais une comtesse. Oh non. Trop de responsabilités. Au sujet des fleurs. Tu sais que la comtesse a insisté pour qu'on les cueille au dernier moment ? Fraîche comme la rosée, oui. J'enverrai la nouvelle servante. Elle est délicate, elle ne les abîmera pas. Non mais le terrain, il est immense, ça c'est clair. Hein. Là non plus, il n'y a rien. Bonne journée à vous. Bonjour. Merci. Est-ce que ce serait par là? Oh là 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 là. Donc là, on peut pas aller. Et on peut pas... Ah, on n'a même pas accès à la fronde, donc on est en terrain amical. Il va faire très chaud aujourd'hui. Et comment? J'imagine même pas devoir porter ce casque. Eh ben, les choses ont été compliquées hier au port. C'est alors... la sortie par là? Ouais, j'imagine. Demandons à ce garde. Prudence et mère de sûreté. Alors attends, avant de demander au garde... Ça se voit que le comte est riche. Pourquoi? Il a trop de bassins chez lui. Ça, c'est tout à fait vrai.
Petite plume. Petit nid. Bon. Attendez. Bonjour. Est-ce qu'on peut sortir? Bien sûr. Allez profiter des jours ardents. Wow, on sort comme ça et tout. Bien dormi? Sophia, bonjour. Contente de te voir. Comment as-tu su où vous trouver? C'est l'histoire de ma vie, Trésor. Se lever tôt, fouiner, tendre l'oreille et en tirer parti. Ça m'a permis de retrouver la trace d'Arnaud en prison. Oui, ce fumier. Il nous a trahis. Et pire, il s'est servi d'Hugo. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire d'une créature aussi mignonne? Ou alors, est-ce que tu serais plus utile que t'en as l'air, Butchou? Je ne plaisante pas, Sophia. Arnaud a beau être ton ami, il a bien failli nous faire tuer. Vous avez donc passé la nuit à fêter sa capture avec le comte de Provence et son épouse? Non, je n'en ai vraiment rien à faire d'eux. Je ne m'incline devant personne, Sophia. Nul comte, nul roi, personne. Il n'y a que lui qui m'importe. Très bien. C'est un point sensible. Je te taquinais. J'aime savoir qui sont les gens que je fréquente. Et ton discours me plaît. Bien. Marchons un peu. Oui. Ah, carrément. Ça. Là, on peut pas aller. Elle, on peut pas aller. Je me suis promenée un peu ce matin. Vous savez où c'est vous vaste. Pouvez aller? Pas encore, non. Prends ton temps. Le soleil brille, les gens font la fête. Même les gardes sont plutôt aimables. C'est pour ça qu'on n'est pas encore en prison. C'est immense. C'est immense. Est-ce que c'est par là? On devrait pas partir en livraison, là? Il reste du temps. La fête aura lieu ce soir. À mon avis, ils n'ont même pas commencé à cuisiner. On va suivre le petit chemin, hein. Un oiseau! Tu as raison. C'est celui que t'as vu en rêve? Presque. C'est bizarre. On dirait qu'il regarde quelque chose. Oh, une chasse au trésor? Déjà? Eh bien, suivons son regard. Donc, un rêve okay. Et un oiseau, hein? Hugo a beaucoup rêvé de cet endroit. Avant même qu'on vienne ici. Et il y avait toujours un oiseau! D'accord, pourquoi pas. Alors, là... On peut parler à la dame ou pas? Il y a un petit triangle... Ah, un petit rond, pardon. Oh, alors, attends. Madame, on peut vous parler? J'ai pas l'impression. Tant pis. On n'aurait pas à lui parler. Ah si. Bonjour. Attends. Dites-moi, voilà. La sculpture de l'oiseau, là, vous savez quelque chose à son propos? Oh, il était là bien avant qu'on arrive. C'est très ancien. C'est tout ce que je sais. Très ancien? Bon, merci. Oui, merci. Ouais, merci. Encore une statue. Là! Il regardait un autre oiseau. Tu as raison. Et celui-là, il regarde quoi? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Tout est si différent de la Guyenne. Oh là là! Même les odeurs. Oui, ça sent... Attends. Chaud. Il fait jamais chaud en Guyenne? Pas comme ça, en tout cas. Je veux bien le croire. Là, c'est bloqué. Ok. Je voulais juste vérifier. –
Ok. Alors, là, il y a un petit chemin. J'imagine que la route principale, c'est celle-là. On va déjà faire la... Oh, si je peux. Le repas est prêt. Merci. Juste encore quelques tuiles. Ah, de nouveau, petit oiseau. Cette maison. La réponse est peut-être là. Où y aura un autre oiseau? Allons jeter un œil. Alors. Ah, si on peut traverser. Si tu les broies comme il faut, ça parfume les vêtements et le tissu. Comme ça, on sent bon les fleurs. Tout à fait. Tu seras comme un petit brin de lavande dansant. Pourquoi pas? Ah, j'arrive en bout de... Regardez-moi cette beauté. Il doit être vraiment vieux. Vieux comment? Un olivier, des milliers d'années, je dirais. Vraiment? Mais il est tout tordu. Il est malade? Au contraire. Il est fort. Il s'est adapté. Elle a raison. Il a pris cette forme avec le temps. Il a dû voir tellement de choses. Lui aussi a des cicatrices. Je l'aime beaucoup. Dis-le lui alors. Il t'écoutera. Je t'aime. Non. Et je suis sûre que lui aussi, il t'aime. On repart? Oui. Ok, donc là, on a obtenu le souvenir 1000 ans de plus. On va faire machine arrière. Juste être sûr avant de partir sur ce chemin-là, d'avoir tout exploré. On peut retourner chercher les oiseaux, Amicia? Ah, un établi. Voyons ce qu'on peut faire. Alors, je crois que j'ai pas assez de matériel pour rien, de toute façon. Ok. Attends. Juste être sûr. Faut courir un peu. Ah, super. Ah. Attends. On l'a pas fait ce petit chemin là encore. Oh là là, ça a l'air tellement vaste. Ça a l'air tellement vaste. Seigneur. On va aller par là. Une rivière. On pourrait rejouer à la bataille navale contre les Anglais. Eh, ça me plairait bien. Tu as un bateau? Tu peux le faire en vrai. Ah, t'as jamais vu une bataille navale de ta vie, hein? J'ai vu des combats. Un champ de bataille. D'accord. Reste sur la terre ferme, crois-moi. Donc, pas par là. Seigneur Dieu, c'est tellement vaste. Attends. Il y a un chemin par là. Oh, mais moi, je vais me perdre. Attends, il y a un truc par là. Ça, c'est quoi ça? Allez, regardez la tour. Allez, grimpe par là. Monte. Oui. Il n'y a pas grand-chose. Ben, il y a déjà un coffre.
Attends, tu vas pas laisser une porte fermée t'arrêter? Explorons les lieux. Ouais, on va explorer les lieux. Amicia, j'aimerais retourner voir les statues d'oiseaux. Ce sera très utile. Oui. Cette fenêtre, il y a quelque chose dedans. Attends. Ouais, ça brille. Je suis en caillouette. L'œil. Retournons-y. Oui. Allons prendre la tour. Oh, tu veux tout conquérir? Seulement les tours. Le reste ne l'intéresse pas. J'adore les tours, parce qu'on peut monter tout en haut. Le chapitre 9, il est trop vaste. Le chapitre 9, il est trop vaste. Un couteau. Ok. On va trouver quoi, tu penses? Peut-être le nid de l'oiseau. Oh, là où il pond ses œufs. Hein? Tu crois que c'est une maman? Qui sait? Saleté d'échelle. Bon, généralement, qui dit couteau dit coffre. Allez, secret. Mate. D'accord. Donc, Eh ben voilà! Ha! Coffre secret! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Trop balèze! Trop balèze! Mais tellement vaste! Alors. Je peux rien prendre, c'est que du recyclage. Attends voir. Est-ce que par le plus grand des hasards... J'ai passé le matériau. Alors, si j'en prends une. Donc j'ai 42, donc il m'en manque en fait encore... Donc 42 et il m'en faut 55. Ah non, j'y arriverai pas. Non. Bien, mettons-nous au travail. Ah ouais, il me manque encore 10. Tant pis, tant pis. Bon. Et puis... Ah, il y a encore une échelle, on va regarder. Attends. On est presque au sommet. Eh bien, allons-y. Waouh! On peut voir partout. Ça valait le coup. Jolie vue. Ah! Approche-toi. Regarde, tu peux te sentir comme ton oiseau quand il est perché en hauteur. Pas n'importe quel oiseau. Un oiseau de proie. Le roi des oiseaux. Qu'est-ce que tu vois? Je vois... là où je chasse. Et qu'est-ce que tu chasses? Des saucisses. Tu sais ce qu'ils font d'autres, les rapaces? Ils crient. Tu es prêt? Oui! Sophia va crier avec nous. Pas vrai? Je suis née pour crier. À trois! Un, deux, trois! Cui, cui! Allez, il est encore descendre. Tout le monde sait qu'on est là maintenant. Au fait, joli cri tous les deux. Le tien était pas mal non plus. Je sais. C'est ma voix de capitaine. C'est indispensable pour se faire entendre en pleine mer. Ton équipage doit adorer. Oh, ils s'en sont jamais plaints. Ah ! On a obtenu donc un souvenir, bel hurlement. Donc deux souvenirs déjà. Pas mal, hein. Là, donc on va redescendre du coup. Descends prudemment. Tout de suite. Pardon. Toujours l'habitude que ça descende tout seul. Ensuite, là. Allez, descendons. Descends avec moi. Oui.
Bon, bah ça m'a l'air pas mal, hein. Ça m'a l'air pas mal. Un coffre et déjà deux souvenirs. Alors là-bas, on a ça. Ici. Ça veut dire... Ça ressemble au code des contrebandiers. C'est un lieu de réunion ici. Ça sert à quoi? Quand les choses tournent mal ou qu'un équipage se sépare, ils laissent ses marques derrière eux, pour être sûr que l'un d'eux retrouve ce qu'ils ont caché. Un trésor? Plutôt des marchandises, vin, denrées. C'est un trésor pour certains. Intéressant. Je veux cacher des choses, moi aussi. Comme un beau caillou. D'accord. Ouais, pourquoi pas? Donc moi j'ai l'impression que ce chapitre 9 il est vraiment tourné vers l'exploration. Hein. Ah, il y a quelque chose à ramasser. Alors il y a des tentes par là-bas. On va essayer de revenir sur la piste des piou-piou. Je crois qu'on a tout exploré par là. Regarde, encore vite fait un petit coup d'œil. Ouais. Ok. Pas sûr de réussir à rejoindre les tentes là-bas. Il y a des moulins par là-bas. Pardon. Est-ce qu'on arrive à voir les petits moulins? Donc, après les piou-piou, ouais, il visait par là-bas. Attendez, est-ce qu'on peut rejoindre les piou-piou, on va rejoindre les piou-piou, mais est-ce qu'on peut rejoindre les moulins? Ça a l'air intéressant. Bonjour à vous. Bonjour. Salut. Salut. Un petit lieu de recueillement. Tu es prêt? Oui, presque. Je ne veux pas rater la cérémonie. Attendez, attendez. Et là, qu'est-ce qu'on a? Bonjour. Bonjour. Nous sommes juste en train d'admirer cette sculpture. Ah, ne faites pas attention à moi. Je vois pas où est le prochain. Elle doit être cachée derrière cette petite colline. En avant! Ah, ces jeunes. À chasser les cailloux plutôt que l'or. Attendez, attendez. Ils ont l'air tellement heureux. C'est le cas. J'espère que la cérémonie de cet après-midi sera réussie. Oui. La fête Amen. Permet d'être magnifique. Cet enfant a l'air vraiment gentil. Il l'est forcément, vu toutes les louanges qu'il reçoit. Oh, j'aimerais tellement assister à la cérémonie et porter une de ces fameuses robes. Ils sont au courant de ce qui se passe sur le continent? Ils savent forcément. D'où les boissons. Tout ça est très beau, mais alors... l'Église ne considérerait-elle pas ça comme de l'hérésie? T'as raison, il faut être compte pour prendre ce genre de risque. Cette île est assez isolée. Je suppose que ça facilite les choses. Et il n'y a aucun silence que l'or ne puisse acheter.
Ah. Alors là, il y a un piou-piou. Et ce piou-piou. Dis donc, elle est grande cette famille d'oiseaux. Allons trouver le prochain. Imagine si ça conduit à un vrai nid. Non, c'est quelque chose d'important. Forcément. J'en suis sûre. La chasse aux oiseaux reprend. Alors, wait. Parce que là, on a des petits moulins. Ah, puis on a même plein des de petits moulins. On peut entrer dedans? Pourquoi pas? Allons-y. Dis-moi, d'où te vient cette fascination pour les moulins? On dirait des géants, avec des drôles d'épées boucliers qui tournent. Ah, moi je ne vois que des machines à moudre le blé. Je sais, Sophia. Je sais. Je vous mets ici le résumé rapide de l'énigme concernant les moulins à vent dans le chapitre 9 que j'ai effectué lors de mon deuxième run. Voilà, donc je le rappelle, moulin 1, moulin 2, on va les éteindre. Moulin 3, on le touche pas. Et moulin 4, on l'active. Je vais te faire le tour du caillou. Parce que, ben, en recommençant le chapitre, on est dans l'obligation. Enfin, on a perdu malheureusement le brassard. Et j'avoue que j'aimerais quand même bien le garder parce qu'il est classe. Monte. D'accord. Pardon, discrètement. Tout ça pour ça, hein. Donc celui-là, on le touche pas, on a dit. Contre celui-là, il y a un coffre, on va quand même le prendre. Voilà. Descends prudemment. Oui. Peut-être que ça fera tourner le moulin. Ah, attention. Vous avez entendu ça? Quelque chose a bougé. Oui. Mais ça venait d'assez loin. Étrange. Et on sait où c'est! Donc on y va! On court! Oh. J'ai déjà vu ce genre de choses. C'est typique de la Provence et des régions voisines. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de passage symbolique. La... Intriguant. Un passage magique! Je dirais que cette échelle est une invitation. C'est vieux. J'ai l'impression que cet endroit a été utilisé il n'y a pas si longtemps. Oh, on dirait une maison de gobelins. Le seul gobelin ici, c'est toi. Alors toi, t'es une sorcière. Comment t'as deviné? Bon, on connaît la suite, hein. Regardez, donc ça va aller vite. Une porte dans le rocher. Et des dessins de moulins. Le mécanisme des moulins. Ne t'inquiète pas. C'est l'exploration, la vraie, Hugo. Oui, je suis sûre qu'il y a un trésor par là. Tu sais quoi, gamin? Je crois que t'as raison. J'ai les mains qui picotent. C'est un signe. Bonté divine. Mince. C'est réel? Et pas qu'un peu. Un vrai repère de contrebandier. Et un sacré bon.
Diable, qui a construit ça? Voilà. C'est incroyable. Tu crois qu'ils sont encore dans le coin? Ça a l'air abandonné. C'est le problème. Plus ton butin est fabuleux, plus tu as de chances de mourir vite. Oh, le trésor! Qu'est-ce que c'est que ça? Des bijoux? Un brassard? C'est ancien. Essaye-le! Il me va. Oh. Il est trop beau pour le laisser là. Garde-le. Oui. C'est ton trésor maintenant. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens plus forte. Peut-être qu'il est magique. Bon, sortons d'ici avant que le fantôme d'un contrebandier ne vienne réclamer son dû. On peut retourner chercher les oies. C'est incroyable ici. C'est mon endroit préféré. J'avoue, je me verrais bien vivre ici. Mais sinon, une jolie maison, avec un jardin. Je préfère quand on ne peut pas me voir. Oui, ça me plairait aussi de vivre dans une grotte. Seigneur, je me promène avec des chauves-souris. Je tiens plus du lézard, je dirais. Une chauve-lézard. Eh bien, pourquoi pas. Voilà. Donc, je le rappelle, le moulin numéro 1, il faut l'arrêter. Le moulin numéro 2, il faut l'arrêter. Le moulin numéro 3, ici présent, il ne faut pas y toucher. Il faut qu'il soit activé. Et le moulin numéro 4, il faut l'activer. Voilà. On va pouvoir redescendre. Donc le cuicuila, il regardait du coup par là-bas. Et si je trouve comment on descend. Ah voilà là. Ah, il faut faire le tour. Bon, petit aparté bien sympathique. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Rien, là-bas. Tout sommeil. Rien n'est stérile. Tout attend. Aucun enfant ne naît. Ils existent déjà. Attendant un nouveau souffle. L'appel de la foi renouvelée. Loué soit l'enfant. Soufflé sur son lit de braise. C'était étrange. C'est une prière à la vie et aux enfants. Ah. Tu comprendras un jour. Alors, regardez par Rien là. Ne meurs. Tout sommeil. Qu'est-ce qu'ils font? Oh, ça. Les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants viennent ici pour être bénis. C'est touchant. J'ai entendu dire que c'est la comtesse qui a initié tout ça. Elle est tellement gentille. Le comte et elle, ils ont l'air de s'aimer tellement, c'est... Gênant. Inattendu, je dirais. Non, c'est mignon. Les fleurs sont sublimes cette année. Oui, elles sont la vie incarnée. Il reste encore beaucoup de travail. On peut retourner chercher les oiseaux, Alicia. Je vais faire quelque chose. Il y a peut-être des choses utiles là-dedans. Ah oui, attends, faut qu'on explore. Attends, est-ce qu'il y a quelque chose pas? Ah. Donc, à mon avis, le chemin, il est par là-bas. Ok, on va rien faire.
Donc là, un truc par là. Là, il y a un truc par là. Regarde juste. Ah ouais, attends, déjà j'ai pas la bonne arme. Je vérifie juste, ok. Grimpe, oui. I was looking. C'est quoi ces choses dans le ciel? Des cerfs-volants. Vous n'en avez jamais vu? Non. En fait, c'est comme de minuscules voiles de bateau. Ils prennent le vent et ils s'envolent. Tu peux voler si t'en attrapes un ? Non, même pas toi. J'en veux un. Et voilà. Ouais. Pas pour autant que je peux rentrer. Bah. Ouais, on va sortir par là. On va devoir sauter. D'accord. Ok. Le tour. Je sais pas pourquoi c'était en surligné. Ah, en surligné, pardon. Je peux toujours pas ouvrir. Mais j'ai fait ça pourquoi ? Je comprends pas. Non. Donc là, j'ai ouvert un coffre. Enfin, j'ai fait péter un coffre. Mais je sais pas pourquoi. On va revérifier. Ah, est-ce que ça me gâchait la vue du coup pour ouvrir la porte? Ah, Amicia, ouais. J'aimerais retourner voir la statue d'oiseau. Merci pour le conseil. Hey, tu t'en sors bien. Je devrais t'engager. Je n'étais pas comme ça avant. T'inquiète pas. Tu sais, je ne suis pas née contrebandière. On fait tous ce qu'il faut. Ok, maintenant on va pouvoir descendre. Ne te fais pas mal surtout. Ah, voilà. Ta-dam. Donc là, j'ai un établi. Et là, rien d'autre. Ok, on va regarder l'établi. J'aimerais bien pouvoir améliorer mon arbalète quand même. Ah voilà. Ça devrait me simplifier un peu la vie. Oh, j'ai pas assez. Ça m'énerve. Donc en ayant ce brassard, je récupère plus rapidement. Donc c'est pas mal. C'est vrai que la dernière fois, ça prend à chaque fois. Enfin, chaque fois qu'on se fait attaquer, c'est vrai que ça prend un peu de temps. Là, moins. Bah, nickel! On va pouvoir continuer notre chasse au piou-piou. Apparemment, c'est pas par là. Donc, on va aller par là-bas. Rien ne meurt. Tout sommeil. Tout. Il est super long ce chapitre 9. Hein. Une fleur pour l'enfant, une pour la mère, une pour le père. Okay.
Pas trop fatigué, Hugo? Non, ça va. On a beaucoup marché. Cette île est vraiment grande. Elle est grande, mais elle est belle. Je l'adore. C'est clair? Tant mieux. Ça n'a pas été facile, mais on a bien fait de venir ici. Attends, il y a encore un truc par là. Ah, le pupule est là-bas. Alors, attends, avant d'aller plus loin, on va regarder plutôt par là. Le bon vin et de beaux outils. À ne pas utiliser en même temps, bien sûr. Bonjour. 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 Vous allez vers le port? Oh non, on y était hier. Merci. Restons ici pour voir le reste. Ah, d'accord. Donc c'est pas par là. Purée, mais c'est grand. Monte, tout de suite. Oh, mais c'est immense, c'est immense. Je... Je sais même pas si ça a une utilité quelconque d'aller par là. Amicia, je sais pas si on a le droit d'être ici. On pourrait trouver quelque chose d'important, Hugo. Et puis c'est toujours plus excitant de faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire. C'est vrai? Elle plaisante. Pas vrai, Sophia? Bien sûr. Ouais, elle rigole. Quoi? Il y a un grand coffre à nouveau. Qu'est-ce que c'est? Oh là 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 là. Ok, donc moi je suis venue en haut pour le grand coffre. Ok. Donc il y a un pont par là-bas. Et l'oiseau il continue par là-bas. Donc. Descends prudemment. D'accord. Mais je sais pas, est-ce qu'il faut aller vers le pont? Avant d'aller plus loin dans l'aventure, sachez qu'il vous faudra un deuxième couteau pour ouvrir le 7e coffre secret. Si tout comme moi vous n'en aviez pas, pas de panique. Il vous suffira tout simplement de recommencer entièrement le chapitre 6, de récupérer le couteau dans la tour en ruine où se trouvait le 6e coffre secret pour pouvoir ouvrir le 7e. Ne vous inquiétez pas, en procédant de cette manière, vos souvenirs et votre avancement par rapport à la découverte du coffre secret numéro 6 restent intacts. Malheureusement, en recommençant ce 9e chapitre, vous perdrez votre brassard. Donc n'oubliez pas de refaire le puzzle en lien avec les moulins pour le récupérer, avant d'avancer. Non, ça va. Alors, on a beaucoup marché. La tour, elle est... Cette île est vraiment grande. Elle est grande, mais elle est belle. Je l'adore. Tant mieux. Elle est là, ouais. Ça n'a pas été facile, mais on a bien fait de venir ici. Regardez, un autre oiseau. Il regarde ses colonnes. C'est intriguant. Eh bien, allons voir. Alors, on va résoudre l'énigme de la colonne. Alors, le piou-piou, je crois qu'on l'avait vu par là, ouais. Regardez, un autre oiseau. Il regarde ses colonnes. C'est intriguant. Eh bien, allons voir. Ok.
petite avance. Qu'est-ce que tu vois? Je vois des colonnes. C'est si beau. Sacrée trouvaille. Waouh. Une sorte de théâtre antique. Oui, ça a l'air important. Voyons voir ça. Là, l'oiseau. Et leur enfant des braises. On en verra peut-être plus sous ces herbes. On va devoir les couper? Ça serait trop long. Je dois pouvoir nous en débarrasser d'un seul coup. Ton oiseau nous a montré la voie. C'est l'île. C'est une carte de Lacuna. Très ancienne. Oui, c'est sûr. Elle a plusieurs siècles. Ce doit être byzantin. Il y a beaucoup de vestiges dans le coin. Là, Amicia, c'est le dessin. Quel dessin? Le dessin de l'ordre. Oui, je le vois. De quel ordre? Un ordre d'alchimiste, lui aussi, très ancien. Tu nous as entendus sur le bateau, Sophia. Hugo est malade. Ce n'est pas contagieux. Pourtant, l'ordre voulait enfermer mon frère, l'étudier comme bon leur semble. Mais je... Tu t'inclines devant personne. Je comprends. Et donc, qu'est-ce que vous cherchez ici? On cherche un moyen de le sauver. C'est simple. Si ce symbole indique des emplacements importants, celui-là... Eh bien, celui-là, on peut pas vraiment le manquer. Les dents! On les appelle las madres. Les deux mères. Oh. Ouais, pas terrible. Ça a du sens. Dans ce cas, allons voir ces deux mères. Ces dents! Tu viens avec nous? Oui, je vous dois bien ça. Je vous suis jusqu'au bout. Alors allons-y. Oui, on va faire de l'escalade. La vue d'en haut doit valoir le détour. Oh, j'ai hâte de voir ça. Grimpe.
On monte. Tout de suite. Regarde, il y a une maison dans les dents. Ouais. Une sorte de temple. Un sanctuaire. J'ai entendu quelqu'un en parler. Ça éveille encore plus ma curiosité. Parfait. C'est notre prochaine destination. Ça a l'air si joli. Allez, monte. Donc, on a un oiseau magique, un ordre ancien d'alchimiste, le petit qui a des visions. Non, vraiment, je dois m'attendre à quoi d'autre? La maladie d'Hugo est particulière. Notre mère est alchimiste, mais elle n'a rien pu faire. C'est un peu comme une malédiction. Qui pourrait maudire ce charmant bambin? Je suis pas un bambin! C'est dans son sang. Ce mal remonte à la nuit des temps. C'est injuste, mais c'est réel, Sophia. En Guyenne, c'est pour ça que l'Inquisition nous traquait. On a failli ne jamais arriver ici. C'était horrible. Ils ont tué tout le monde. Bon sang. D'accord. On va trouver ce que vous cherchez. Je vous le promets. Merci. C'est là, le chemin du sanctuaire. Alors on n'a plus rien à faire ici? Non, allons-y. Ça promet d'être long. Le premier haut! Pas si vite, après je vais devoir te porter. Broussard! Bon, moi j'espère en tout cas que... que la partie basse, là, on l'a tout exploré, parce que nom d'un chien, c'est long. Hein. Tu tiens le coup? Ça fait un moment qu'on marche. Je pensais que c'était plus haut que ça. Ne sois pas trop déçue, on est loin d'être arrivé. Quelqu'un est plus fatigué que toi, on dirait. Je déteste les montagnes. J'ai toujours été plus à l'aise sur l'océan. Moi, j'aime les montagnes. Elles sont immenses, alors quand on est en haut... on est immense aussi. Tu sais, c'est sa première fois en montagne. Eh bien, dans ce cas, on va tous devenir immenses. Oh là 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 là. Bon sang, ce qu'il fait chaud. Regardez, on est presque au sanctuaire. Tu sais ce que ça veut dire, presque? Courage, ça vaut la peine de transpirer un peu. Regarde sa taille. Bon, on a recueilli donc les deux souvenirs, on a eu un coffre, on n'a pas encore trouvé de plume. Ou alors je suis vraiment passée à côté. Qu'est-ce que vous espérez trouver là-haut? Je veux voir l'oiseau, le vrai. Ou l'arbre, ou la mare. Je préférerais un élixir. Quelque chose qui t'aiderait vraiment, Hugo. Peut-être que l'oiseau en aura. Ah, moi ce que je veux c'est que... ça se termine vite.
ce chapitre. De l'eau de source! Comment il peut courir par cette chaleur? Magie de l'enfance. Il s'endort aussi en une seconde. Ah ouais, non mais... Elle a l'air tellement fraîche. Elle l'est. Exactement ce qu'il me fallait. Hé, hey, Hugo, ton visage est tout sale. Je vais t'arranger ça. Ah attaque d'eau. Hé hey. Contre-attaque. Pour les deux runes, Hugo. D'accord, d'accord. Pour je me rends. Les deux runes. Je suis trempée comme une soupe. Oh là 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 là. Par l'eau. Il m'a mis de l'eau dans les yeux, d'accord? Je l'ai fait exprès. Ça, c'est mon frère. Eh ben, quelle famille. Bien joué, Hugo. J'aurai ma revanche. Lol. Ah, s'il vous plaît, dites-moi qu'il n'y a pas encore des choses à collecter. C'est long. Oui, imagine sculpter tout ça. Oh, des chèvres. Oh, des chèvres. Il y en a plein, Amicia. N'aie pas peur. Elle préfère de loin les feuilles d'olivier aux petits enfants. Oui, mais elle crie. Je suis là. Tiens, tiens, tiens. Notre preux chevalier a peur des chèvres? Il y en a trop. Vous comptez vous rendre au sanctuaire de l'enfant? Tout à fait. Ah, désolé, vous arrivez trop tard. Ils ont fermé les portes, comme vous voyez, pour la cérémonie. Une cérémonie? Oh, on a fait tout ce chemin pour le petit. Eh bien, le sentier des chèvres à côté vous en rapprochera. Mais regardez de loin. Le comte et la comtesse sont en haut et les gardes sont à cran avec ce qui s'est passé hier. Ils ne seront pas tendres avec les invités surprises. On gardera ça en tête. Merci à vous. Mm-hmm. Alors, ensuite... Et au passage, si vous tombez sur Tramontane, vous pouvez me la renvoyer? C'est une de mes chèvres. On essaiera. Bonne chance, alors. J'espère qu'elle ne nous attaquera pas. Oh, allez, il faut qu'on trouve une chèvre. Par un loup. Mais elle crie. Oh, ça, oui. Il faut qu'on trouve une chèvre. Ils ont fermé l'accès au sanctuaire. Pas de chance. Vois le bon côté. On ne boucle pas un endroit comme ça si on n'a rien d'important à y cacher. Oui, mais j'ai encore plus envie de savoir maintenant. Alors... on va explorer. Parce que je le rappelle qu'on n'a pas de plumes et on n'a pas de fleurs. Bon, peut-être qu'on n'en aura pas, hein. Là, il n'y a rien. Écoutez, c'est la chèvre du monsieur. Tramontane, oui. Elle est là derrière. Elle est où la chèvre? Elle est là? Et encore. Elle est là. On devrait te renvoyer à ton maître. Les chèvres. Gamine, je l'ai fixée dans les yeux pendant des heures. Impossible de savoir ce qui se passe dans leur tête. Tu n'es peut-être pas prête pour leur grand savoir. Bouge pas. On va s'occuper de ça. On va s'occuper de la chèvre. Est-ce qu'on peut aller par là? Fermé. On devrait pas l'aider? C'est ce que font les héros. D'accord. Il y a peut-être une autre entrée. Une autre entrée? À part de l'herbe là. Je peux pas viser moi avec ma fronde là? Non. Attends. Pousse-toi, s'il te plaît.
y a un trou là. Un trou. Ça veut dire que... Est-ce que je peux y mettre le feu là? Pardon. Waouh, c'est une vraie mission de sauvetage. J'espère qu'elle est gentille. Elle sera forcément reconnaissante. Ah, ça passe. Si elle l'est pas, on l'enfermera à nouveau, d'accord? Ne t'inquiète pas. Tu as deux femmes fortes pour te protéger. C'est clair? Il y a un trou dans le mur. Vas-y. Hey. C'est à toi de jouer. D'accord. Mon héros. Il est trop drôle. Pas tout le temps, mais... souvent. Vite, ouais. Vite. Tu as réussi. Digne d'un chevalier. Alors voilà notre fugitive. Tu l'as sauvée, Hugo. Tu veux lui dire bonjour? Je t'accompagne. T'as fait le plus dur. Ne l'effraie pas et tout se passera bien. Et si jamais elle crie? C'est mieux qu'une morsure. Dis-toi que ça peut arriver. Voilà tout. Je vais essayer. Tu vois, c'est facile. Elle ne crie pas toujours. Oui. Elle est gentille. Parfait. La chèvre est sauvée, tu as surmonté ta peur et je veux voir ce sanctuaire. On y va? Oui. Rentre vite. Ton papa t'attend. Elle ne bouge pas. Elle bougera quand elle en aura envie. Alors, là du coup, pourtant, on va pouvoir... Il n'y avait pas de chèvre dans ton rêve. Non, mais il y en aura peut-être maintenant. Qui ne voudrait pas rêver de chèvre? Il y aura ça. Voilà. Allez, monte. Oui. La cérémonie va bientôt commencer. Un soldat. Oh, aucun problème. Assurez-vous que tout se passe bien. Oui, on a eu assez de violence hier. L'enfant devait être très mécontent. Nous redoublerons de vigilance. N'ayez crainte. Bien. Eh bien, merci Arnaud. Il fallait s'y attendre. Bon. Assez de blabla. Coffre numéro 7. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Voilà. Donc, je vous rappelle, pour ouvrir ce coffre numéro 7, étant donné qu'il y a deux coffres dans ce niveau, c'est soit vous avez un couteau supplémentaire et alléluia pour l'ouvrir, soit comme moi, vous n'en avez pas eu un supplémentaire et donc vous êtes dans l'obligation de recommencer le niveau 6 entièrement, d'attraper le couteau qui est dans la tour en ruine, là où se trouve le coffre secret numéro 6, et de venir l'ouvrir un petit peu plus tard. Par chance, comme je l'ai dit auparavant, hein, il est le délai entre le début et ce coffre-là, le début du chapitre, pardon, et ce coffre-là est assez court, donc ça va, c'est pas embêtant en soi. Mais voilà, c'est soit, encore une fois, vous avez un couteau supplémentaire, soit vous recommencez le level, là. Pour ma part, j'ai dû recommencer le level, quand même. Voyons ce qu'on peut faire. Pardon, c'est pas ça que je voulais, c'était ça. Voilà. Et du coup, je peux quand même augmenter quelque chose ou pas du tout? Pas du tout. J'aurais bien aimé améliorer ma fronde quand même. Bon, tant pis. Alors voilà, coffre secret numéro 7. On va pouvoir avancer. Hop. J'espère qu'il n'y a pas un coffre numéro 8 parce que j'ai plus de couteau. Hein, pas bon. Monte. Alors, on a toujours pas de plume, hein. Descends prudemment. D'accord. Oh, des hautes herbes. Dernières offrandes. Elles restent ici pour le moment. On les déposera là-haut après la cérémonie. Attention, on dirait qu'ils tiennent à leur tranquillité ici. Super. Oh, comment allons-nous passer? Hors de question que je les attaque. On serait jetés en prison. Ou pire,
J'ai une botte secrète. Ce prisme concentre la lumière. Il peut brûler les herbes hautes. Ça fait de la fumée et ça attire l'attention des gardes. Waouh! Alors, Esmeralda, dis-moi où tu veux attirer un garde, uniquement dans les hautes herbes. Attends. L'enfant sait. Déjà, il faut qu'on sache où on doit aller. C'est là-bas, j'imagine. Oui, attends, 30 secondes. On va mettre là. Hein. Essaye ici. Ça a marché. Parfait. Bougez dès qu'il est parti. Ça dure jamais longtemps. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose là ou pas ? Il y a rien. Mais regardez, hein. Oh, il n'y avait rien. Je me suis fait hutte. Non. Étrange. Oh, je suis venue là pour rien. Ah, la souffrance! C'est pas moi. Il se passe quelque chose. Je vais voir. Prudence. Il fait chaud, hein. C'est voilà. Tu es uniforme. Tu connais le compte. Faut faire. C'était sûrement rien. Ça brille par là. Mais est-ce que je tente? Non, je vais pas tenter. Alors. Twic. Tant pis pour les coffres. C'est quoi ça ? Regardez, ça marche. Voilà la porte. Dépêchons-nous. Rien. C'est bon. Attends. Il y a une porte là. Là-bas. Utilise ton prisme. Ça brûlera sans problème. Ouais, juste le temps de pouvoir ouvrir cette porte-là. Hein ? De la fumée ? Elle vient d'où ? C'est presque trop facile. Ouais, c'est sûr. Voilà ! Je suis encore trompé. Ton prisme est magique. C'est vrai. C'est clair. Mais on n'y est pas encore. Alors... un petit coffre. On peut pas. Et j'imagine que je peux toujours pas augmenter quoi que ce soit. Parce que depuis... j'ai toujours le même nombre. Ouais, j'ai toujours le même nombre. Bon, on aura essayé. J'essaye, hein, qui ne tente rien à rien. Alright. Bon, on va continuer notre périple dans les hautes herbes, j'imagine. Par ici, je dirais. Oh, c'est très haut. Oh, mince. Restez collés au mur. On avance. J'ai la tête qui tourne. Ah, oula. Bon sang. Tout va bien. Voilà. Oh. Oh, ça va. Ouh. J'aime pas tes acrobaties, petit. Je veux partir. Oui, on continue. On y est. On a réussi. Oula, non. Tout va bien, Hugo. Je suis désolée, c'était beaucoup trop risqué. Ça va mieux. Merci, Sophia. C'est rien, c'est juste. Ce qui me fait le plus peur. On devrait marcher un peu. En terrain sûr. Oh, toutes ces fleurs. Ça doit être pour leur cérémonie.
Oh mince. En armure lourde. Oh, Arnaud les a vraiment énervés. Je crois qu'on n'est pas du tout les bienvenus. De toute façon, il est hors de question de se faire repérer. On serait soit tués, soit chassés de l'île. Oh, purée. Attends. Mic-mic, il faut qu'on aille... Ils ont trouvé d'autres hommes d'Arnaud ? Il y a trop de monde sur le chemin principal. Faisons le tour. Attention. Les ordures. Gâchez le moment le plus important de l'année. Ouais, alors, attends. Est-ce que je peux rentrer là-dedans ? Ah, il y a un garde là. Ça fait beaucoup de gardes pour une cérémonie. C'est souvent ce qui arrive quand Arnaud met les pieds quelque part. Ce n'est qu'un pont à rien. Et un traître, il n'a pas toujours été comme ça. Oh là là, il va me voir, il va me voir, il va me voir. Oui, il m'a pas vu. Avec moi. Monte. J'ai serré. Ouh, il y a un coffre. Oh, il y a quelqu'un là. Sophia, as-tu entendu parler de l'ordre pendant qu'on visitait l'île ? Non, juste de l'enfant, de la mère et du père. Peut-être parce que l'ordre est trop vieux. Peut-être. Ou alors attends, là... Bon, alors, attends. Elle peut faire cramer des trucs ou pas, là ? T'es où, Sophia ? Pourquoi tu peux rien faire cramer ? Il y a quelque chose, là. Là, je redescends. En voilà d'autres. Ouais, alors, mais attends. Sophia, ton prisme pourrait nous aider. On va faire un beau feu. Ah ouais, ça le distrait pas. Ok. On peut y arriver. Et là ? Ils sont probablement occupés par la cérémonie en haut. C'est quoi comme cérémonie ? Bonne question. Eh bien, on le saura quand on y sera. Et il n'y a rien qui l'attend. Ok. Bon. C'est quoi cette fumée ? Regardez, ça marche. Ouais, mais c'est pas lui que je voulais faire bouger, c'est lui là. Il faut que je passe derrière moi. Oh mince. Ok. Y'a rien.
Alors, moi je vais passer derrière lui en fait. Parce qu'il a l'air imperturbable. Wick! D'accord. Et puis ce serait un sacrilège. L'enfant appelle la paix, pas les armes. Sophia, ton prisme nous serait utile. Captons un peu de lumière. Hein ? C'est quoi toute cette fumée ? Ça marche à Twig. Il y a un gros coffre là, mais je vais pas m'amuser. Hein. Pas de quoi s'inquiéter. J'attends que lui soit loin. C'était une fausse alerte. Bon. Faudrait que je balance un pot de l'autre côté, quoi. Ah, peut-être. Ah, je presse plus. Ouais, ok. Il y a eu un bruit bizarre. Faut vérifier. Voilà. Wink, wink. Rien. On y est. C'est bon. Alors, ce soir je monte. Je passe par là. Tu prends de très grands risques pour des gens que tu connais à peine, Sophia. Rien ne t'y oblige. J'ai une dette envers toi, mais c'est un prétexte. Trop palpitant. Bien. Faisons juste très attention. Rien à ramasser. On va y arriver, les amis. On y est presque. Là, il n'y a rien à ramasser. Ouh. Oui. Comment tu te sens, Hugo ? Un peu bizarre, mais bien. Je suis sûre qu'il y a quelque chose dans la montagne. Je le sens aussi. Eh bien, je vous fais confiance. Alors, là, il y a là. Je pense que c'est par là. Juste vérifier le haut. Allez, monte. Tout de suite.
tous, l'heure est proche. Rassemblez-vous tous. C'est le comte et la comtesse. On arrive juste au bon moment. Ouais, c'est sûr. On peut pas avancer alors. Ah, c'est ça. Hugo, regarde ça. Oh, une plume. À toi de le dire. Je dis que oui. Alors il sera honoré que tu la portes. Garde-la pour quand on le verra. Oui, comme ça je la lui rendrai. Donc là on a obtenu... La chouette est frais. On va devoir sauter. Oui. Nous attendons encore quelques retardataires. D'ici là, n'ayez pas peur de vous rapprocher. Des retardataires? Je dirais que c'est nous. Qu'est-ce qu'on va faire? On va bien trouver. Ouais, il faut que j'aille où, moi, du coup? Ah, bah voilà. Amis et enfants, nous fêtons le jour le plus long de l'année. Le chapitre aussi. Les rayons du solstice d'été reviennent illuminer nos vies. Pourtant, dans ces couloirs glacés, à l'abri du soleil, l'enfant des braises dort paisiblement. L'heure est venue pour le glorieux phénix. Le phénix ? De raviver ses braises. C'est ton oiseau. Ainsi, nous nous montrerons dignes de veiller sur lui. Telle mère. Tel père. Prions tous ensemble avant de franchir le seuil. Viens. Mmh. Tu en penses quoi ? Risqué, mais ça peut marcher. J'aime bien. On va mettre des déguisements ? En fait, c'est une secte. Ouvrez vos esprits et vos cœurs. Son récit va vous être conté. Afin qu'il ne soit jamais oublié. Qu'est-ce qu'on fait? Suivons-les à notre tour. Et faisons ce qu'ils disent. Ils ne doivent pas nous reconnaître. Oui. Allez. Ah, mais il y a un succès en lien avec ce temple. Voilà des siècles, un enfant naquit sur cette île. Son cœur était béni par le soleil, et de lui, il a hérité la flamme qui gouverne en toutes choses. Ainsi naquit l'enfant du feu. Quoi ? Sa flamme illumina le monde. Il le bénit de son parfum, de ses rires, de sa joie. Pour foyer, il choisit Lacuna. L'île devint un havre de vie et de paix. Un lieu de guérison, de prospérité. Lacuna devint un berceau de lumière. Mais le mal convoite la lumière. Et le mal est impitoyable. Venez. Un enfant sur un trône, dans un temple de l'ordre. C'est lui, c'est l'enfant des braises. Prenez place à nos côtés. Regarde, le dessin. C'est le porteur de la Macula. Cette fresque était dans le laboratoire de père à la maison. À genoux. Le mal trouva l'enfant dans ses lieux sacrés. Il se nourrit de sa flamme. Il l'affaiblit. Marqua sa chair de noires cicatrices. Les bras de sa mère ne suffirent plus à le réchauffer. Et ainsi déclina sa lumière. Presque entièrement. Et l'enfant du feu devint l'enfant des braises. Seigneur. Une ère de ténèbres débuta. Les hommes l'oublièrent. Mais pas nous.
cette flamme et l'ultime éclat de sa lumière. Notre espoir. En ce jour, deux d'entre vous, une femme et un enfant, la porteront à travers sa nuit. Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Vous. Vous inclinez la tête. Votre humilité vous honore. Vous porterez sa flamme dans ses heures les plus sombres. Prenez-la. Oh, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Vous marcherez dans ses pas. Vous sentirez le froid mordant la chair. Vous vous noirez dans l'absence de lumière et l'incertitude. Vous verrez l'enfant mourir à travers les yeux de sa mère. Vous serez à la fois victime et témoin. Gardez la flamme en vie, quoi qu'il en coûte. Les porteurs ont été choisis. Prenez place. Hein ? Qu'est-ce qu'on fait ? On doit jouer le jeu. Il faut traverser. Non. Non, parce qu'il y a un succès où il faut interagir avec tout, alors... Non, c'est pas là. Ok. Avancez. Pardon, on est un peu en retard. Et portez-lui la lumière. Tout repose sur vous. C'est inouï. C'est fresque. La peste. Il pense qu'elle est apparue à cause de la mort de l'enfant. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la Macula ? Je ne pense pas. Ils ont interprété tout ça. Ils ont fait un dieu du porteur de la Macula. Amicia, l'eau va éteindre la torche. Je pense que ça fait partie de leur rituel. Se noyer dans l'absence de lumière. Ah, on avance alors. Je vais mourir ? Oh, j'ai froid. C'est fini. On va bientôt se réchauffer. C'était horrible. Mais tu as réussi. J'ai cru que je me noyais. Calme-toi. Tout va bien. Non, j'ai peur. Ouais, c'est flippant à souhait, là. Allez, marche. Je suis avec toi. C'est la chair de poule. Le mal a triomphé. Les siècles passent. Famine, guerre et peste s'abattent sur nous. C'est une secte, c'est une secte. Le rêve d'un feu renaissant. Vous êtes de retour et votre torche s'est éteinte. Vous n'êtes plus seul. L'enfant doit retrouver sa mère. Ses braises rougeoient dans les ténèbres. Je suis la mère et je l'accueille. Remettez-la moi. Vous avez bien agi. L'enfant doit renaître. Entends-moi, enfant. Je ne suis plus inféconde, car ta flamme vit en moi. Je suis la mère. Deviens le phénix, l'enfant du feu, ressuscité. Rejoignez-nous. Soufflez sur ces flammes. Oh. Oh. Le phénix. C'est le phénix. Chut. Oui, je le vois. Il existe. Même si c'est l'ordre, tout est vrai. Puisse le souffle de vie ranimer cette flamme. Hé, hey, c'est moi. Sophia. Venez. Que la brise de la vie rallume sa flamme. Puisse le souffle de vie ranimer sa flamme. Puisse le souffle de vie ranimer sa flamme. Puisse le souffle. Ils vont voir qu'on est parti. Pas pour le moment. On est tous habillés pareil. C'est chelou, hein. Bien. J'ai vu un phénix sur cette porte, puis la fissure, alors... Parfait. Ils ont l'air occupés. On y va. C'est par là ? T'es sûr que c'est pas par là ? Okay, c'est pas par là. Bon, bah si c'est par là...
vraiment incroyable. Tu l'as dit. Waouh. Effectivement. Un trône d'enfant. Il vivait là. Leur enfant des braises. Il n'y a pas d'enfant des braises. Je t'ai parlé de l'ordre. Ce lieu leur appartenait. Et cet enfant, sur les fresques, c'est le porteur de la Prima Macula. La Prima Macula. Ça devient de mieux en mieux. Les alchimistes l'appellent la première corruption. Elle est dans le sang d'Hugo depuis sa naissance. Et elle continue de grandir en lui. Et elle le tuera. C'est la raison d'être de cet endroit. Accueillir le porteur de la Macula. L'ordre se serait rassemblé ici afin de l'étudier et de trouver une solution. Et Hera... Ne me dis rien. Mort, guerre, maladie et famine. Pas seulement. Les rats sont... Peu importe, ils se trompent totalement. Il n'y a pas d'enfant des braises. Aucun enfant ne va sauver le monde. Ce n'est qu'une légende, fondée sur de faux espoirs. Honnêtement, rien de tout ça n'a de sens pour moi. Une partie est vraie. Et elle peut sauver Hugo. C'est la seule chose qui compte. Basilius et Aelia. Ça change rien. Cette eau est pas magique. Pourquoi l'eau? Oh, l'eau qui te soignait dans ton rêve. C'est comme un symbole. Comme les dessins alchimiques de maman. Tu sais, l'eau croupie, c'est rarement magique. Eh, viens voir. Ça, c'est son trône. Et là, je crois que c'est son nom. Basilius. C'était un porteur comme toi. Tu n'es pas le seul. C'est pour ça que tu as fait ce rêve. Quelque chose t'a appelé ici, pour une bonne raison. C'est vrai, regarde cet endroit. S'il y a un remède, il est forcément ici. Et c'est qui, Aelia ? On dirait qu'il y a un passage qui mène ailleurs, là, derrière. Allons voir ça. Let's go. Allez, viens. Je suis sûre que nous allons trouver des choses incroyables. C'est quoi tout ça? Est-ce qu'on est les premiers à venir ici? Oh, une cabane. C'est vrai. Elle a l'air intacte. Trop sacrée pour eux, probablement. Donc, je le rappelle, il y a un succès où il faut interagir avec tous les éléments qui font partie de ce temple sacré. Et tu sais à qui est cette chambre? C'est la sienne. C'est la chambre de Basilius. Tu imagines? Il vivait ici, jouait ici, il s'asseyait là où tu es assis. C'est incroyable, non? Oui. Et il aimait construire des cabanes, comme toi. Tu aimes les cabanes? Moi aussi. Il avait un phénix. Oui. Il faisait peut-être les mêmes rêves que toi. Voyons ce qu'il nous a laissé d'autre. Alors, donc on va interagir avec tout. Là, il y a un cheval à bascule. Regarde. Quel joli cheval. Il est à ta taille. À mon avis, il avait ton âge. Oui. Et ensuite, là, il y a un lit. Alors ça, c'était son lit. Il est si beau. Ce Basilius était traité comme un roi. Peut-être que c'était un roi.
Le roi Basilius. Et bah, il y a des petites figurines. Regarde ça. Ce sont des gens. Des gens importants, peut-être. Des prophètes. Il y avait des prophètes dans l'ordre. Ce sont des méchants. Je crois qu'ils lançaient cette balle sur eux. Ça fait sens, les garçons. Moi aussi, j'aime ce jeu. Viens, on n'a pas tout vu. Donc je crois que là, on a tout exploré, hein. Vérification encore une fois. Hop. Ouais. Alors, on va pouvoir passer à la pièce suivante. Waouh! C'est la chambre d'un guerrier. Pas n'importe quel guerrier. Regarde la forme de l'armure. Alors, eh bien, armure? C'est l'armure d'une dame. Aelia, c'est sa chambre, bien sûr. C'était elle, sa protectrice. Protectrice? La garde personnelle du porteur. Comme moi, pour Hugo. Elle avait l'air forte. Ensuite... Là. Des épées, des lances. Waouh! Regardez cette hache aussi. Je me demande si elles étaient utilisées. Cet endroit a été construit pour éviter ça. Le porteur attire l'attention. Précieuse petite créature. Regarde, des tablettes de cire. Elles sont gravées. Il l'a dessinée. Et là, il s'est dessiné avec elle. Il l'aimait vraiment beaucoup. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble, on dirait. Tout comme nous. C'est vraiment étrange. Ça l'est. Continuons. Et là, un petit cercle qui nous appelle. Des jouets. Il venait ici pour jouer avec elle. Et elle s'est prêtée au jeu. C'était la meilleure des chevaleresses. J'aurais tellement voulu les rencontrer. Ok, on va pouvoir passer à la pièce suivante. Du coup... C'est incroyable. C'est comme si je les connaissais. Comme si Basilius aurait pu être mon ami. Je vois ce que tu veux dire. Alors... Regarde. Eh, encore cet oiseau. Cette forme, c'est le symbole de l'ordre. Le phénix. C'est l'ordre. C'est... juste ça. Ah, désolé. Mais... non. Ça explique pourquoi ils se dressent au-dessus de l'enfant sur leur fresque. Ils pensaient qu'ils étaient mieux que lui. Ils s'en fichaient de lui. Ça ne change rien pour nous. Viens, faisons ce qu'on doit faire, d'accord? Ouais. Alors, pièce suivante. Donc là, c'est bouché. Là, il y a un tronc. Ah, là, il n'y a rien. C'est pas vrai. C'est quoi tout ça? Un laboratoire d'alchimiste. On peut partir maintenant? Mais ça ressemble exactement à ce que tu cherches, non? Oui, mais... Non, non, tu as raison. Chercher tout ce qui pourrait nous mener à un élixir, une potion, des livres, des dessins, peut-être des produits bruts. On s'y met. Alors, regardez là. Un Athanor. Oh non, son contenu a disparu depuis bien longtemps. Oh, cet endroit est hallucinant. Je sais même pas ce que c'est. Tout ça est inutile. Pitié, donnez-moi quelque chose. Vide.
Non, ton sang. Hé, hey, moins fort. On trouvera quelque chose. Ah, pardon. Lucas saurait, lui. Il saurait. Seigneur, donnez-moi une piste, pitié. Ça remonte à des siècles. Tu t'attendais à quoi ? Je crois que le petit a besoin de toi, Amicia. Oui. C'est... Je sais même pas à quoi ça servait. Allez, donnez-moi un indice. Il reste pas grand-chose. Un phénix. Cherchez un phénix. Ok, on a fait le tour. Il y a quelque chose par là. Hé, hey, ça va pas ? Il lui faisait du mal, à lui aussi. Hé, hey, je sais que les choses se passent pas comme tu l'espérais, mais... Rien ne change jamais, Amicia. Mais Aelia était là pour le protéger, pas vrai ? Tu... Tu as laissé Vaudin... Non ! J'ai voulu l'arrêter. Je sais que tu as essayé. Pardon. Ok. Hé, hey, venez voir vous deux. Sophia, où es-tu ? En haut. Comment t'es arrivée là ? Regardez derrière les rideaux. Attends, on est sûr d'avoir tout cliqué là ? Ah, oui, hein. Alors, on essaye. Viens, Hugo. C'est quoi, ça ? Il n'y a pas de porte. Une sorte de... salle d'observation. Mmh. La bibliothèque de tes alchimistes. On dirait qu'ils observaient l'enfant d'ici. Comme s'il était en cage. Alors, qu'est-ce qu'on a à fouiller par là ? Alors. Est-ce qu'on a quelque chose par là ? Non ! Est-ce qu'on a quelque chose par là ? Ah si, on a quelque chose par là. C'est quoi ça ? Des parchemins. Sur Basilius sans doute. Ils sont en latin. Ils parlent d'un remède ? Non, mais ils ont pris d'autres notes. Alors, là non. Attends, avant d'aller par là, je vais faire le tour à nouveau. Ok, je crois qu'il n'y a rien. Ah si, attends. On est au-dessus de la table du laboratoire. C'est mal. Imagine ces salopards réunis ici, en train de l'observer. Concentrons-nous sur ce qu'ils ont découvert. J'ai peut-être une piste. Ah ! Donc là, si vous avez cliqué sur la même chose que moi, du coup, vous avez obtenu le succès en lien avec le fait de cliquer sur tous les items ici. Bravo. N'oubliez pas vraiment le sol avant de voir la copine Sophia. Qu'est-ce que c'est ? Tes alchimistes. Ils ont noté tout ce qui arrivait au porteur. C'est classé par date. La dernière inscription remonte à l'an... 541. 541 ? Qu'est-ce que ça dit ? J'ai pas travaillé mon latin depuis le couvent, mais... ça parle de Basilius... et... d'une... à... Aelia Dragas, sa protectrice. Alors c'est vraiment arrivé. Ils étaient comme nous. Il leur est arrivé quoi ? L'ordre a séparé Aelia du porteur. Elle s'est rebellée. Et ils l'ont arrêtée près de... près d'une tour ronde. Et ils l'ont emmenée dans une... capella, une chapelle, dans un fort. Et Basilius, il est où ?
Aucune idée. Bon, on a déjà quelques pistes. Un phare, une tour ronde. Ils arrivent. Heureusement qu'ils ont pris leur temps. Oui, on doit filer d'ici, vite. Ah, mais je pensais que j'avais fini, moi. Attention, c'est un sacré vide. Puisse cette eau putride sceller notre volonté. De rester à tes côtés, nuit et jour. Je ressens ton mal. Je partage ta douleur. Nous te protégerons. Nous t'aimerons. Je suis le père. J'attends ta venue. Je suis la mère. J'attends ta venue. Rejoins-nous. Quand tu seras prêt, nous le sommes. Comment ils font pour rester dans cette eau? Ils désirent tant cet enfant. C'est triste qu'ils se trompent à ce point. C'est comme moi. Ils savent pas encore qu'ils se trompent. Ils seront très tristes. Savoir ce qu'elle voulait dire. Elle disait que tout serait facile, Hugo. Ça veut pas dire que ça va jamais s'arranger. Tu es sûre? Ton rêve nous a montré une vérité différente. Oh. Mais c'est une vérité. On peut encore s'en servir pour tout changer. Peut-être. Oh. On y est presque. Oh, bah. Au début, ça faisait peur. Mais après, tu aurais vu toutes ces fleurs. Continue d'en parler, s'il te plaît. L'arbre sentait si bon. Avec des branches comme des cheveux. Il avait l'air doux. Continue. Et l'eau. On aurait dit qu'elle pouvait tout guérir. Pas comme celle-là. C'est bien, Hugo. Oh que oui. Là... J'imagine qu'on peut sortir par là. Ouais, il y a une grille là-bas. Yeah. Ouh. Ouais. C'était... Passe une semaine en mer avec mon équipage. Ça donne un nouveau sens au mot puanteur. Ça m'a bien suffi. Allons voir ce fort. Hugo? Il n'y avait pas de fort dans mon rêve. Peut-être. Mais ton rêve nous a mis sur la bonne voie. On a appris plein de choses. Et on va bientôt découvrir le reste. Tu ne veux pas savoir ce qui est arrivé à cette Aelia? Et à ton ancêtre? Tout va bien se passer. On peut enlever ces habits qui sentent pas bon maintenant. Oui, bonne idée. Bon bah voilà, fin du chapitre 9 qui est quand même particulièrement long, hein, pour pas vous le cacher. Beaucoup d'exploration,
C'est un chapitre qui est très très vaste. En plus de ça, pas mal de collectibles. Donc voilà, ça veut dire qu'effectivement, sur les prochains niveaux, il y aura moins de coffres. Et je pense qu'on va pouvoir boucler les coffres secrets assez rapidement. Tout comme les souvenirs, parce qu'on en a déverrouillé quand même trois. Trois souvenirs. Donc voilà, ça sent vraiment la fin. Mais c'est vrai que ce chapitre 9, il est quand même assez long. On a vraiment pris le temps de bien tout explorer. Et encore, je suis pas sûre qu'on ait vraiment tout exploré au niveau des fragments, au niveau des coffres surtout. Mais voilà, au moins on a eu l'essentiel, à savoir les choses à collecter, donc les collectibles. Bon, bah moi, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce vers le haut sur la vidéo ou bien à me rejoindre sur Twitch. Si vous me cherchez sur Twitter, je suis également présente. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao !